Radioscopie. Radioscopie. Eugène Ionesco. Jacques Chancel. Eugène Ionesco, vous avez souhaité toute votre vie écrire un roman. Vous n'avez fait vos pièces qu'en attendant. Ce roman, nous l'avons, enfin. Il paraît au Mercure de France, son titre Solitaire. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? C'est une question à laquelle il m'est difficile de répondre à moi-même. Il y a eu le hasard, il y a eu une série d'événements qui ont fait que je suis devenu auteur dramatique. Je ne voulais pas faire du roman, au début non plus. Je voulais faire de la critique littéraire. Et j'ai commencé ma carrière, entre guillemets, si on peut appeler cela une carrière littéraire. J'ai commencé en écrivant des articles de critique littéraire. Et comme cela se passait dans un pays lointain, on n'est pas très au courant. J'avais quitté la France à l'âge de 13 ans, je me trouvais à Bucarest à l'âge de 20 ans, jusqu'à vers 25 ans, lorsque je suis revenu définitivement en France. J'ai appris le roumain et j'ai commencé à écrire des articles de critique. Je me suis aperçu que c'était ennuyeux de faire de la critique littéraire, mais que ça pouvait être très amusant. Alors, je me suis amusé. Et j'ai écrit des articles et des études très élogieux sur les plus grands poètes et écrivains de ce pays. Et puis des articles très violents contre. Alors on n'a pas compris. Et il y a eu des polémiques. Et j'ai essayé d'expliquer que la critique littéraire n'avait pas de critères et que tout n'était qu'affaire d'humeur et d'autorité. On peut dire donc que les critiques littéraires ne sont pas nécessaires, si je vous entends bien. Si, ils sont nécessaires, mais c'est très difficile l'approche d'une œuvre. Il faut avoir une certaine expérience de la vie et de la lecture pour cela. Et également quand de l'auteur. Et également de l'auteur. Oui, une certaine approche de l'auteur. Il faut vraiment être, avoir une certaine humilité que je n'ai pas pu avoir. C'est-à-dire, pour moi, la critique littéraire, finalement, n'était qu'un instrument. Un instrument de ma puissance. Un instrument de mon avenir, un instrument de gloire. Et je me suis rendu compte bien vite que tout cela était ridicule, que c'est des livres que je devais parler, non de moi-même, alors qu'en réalité je parlais de moi-même à travers les livres. Ensuite, j'ai voulu devenir un critique sérieux, objectif, impartial. À ce point objectif que je travaillais avec, j'écrivais avec en face la statue de l'objectivité. Mais on ne m'a plus pris au sérieux juste au moment où je devenais sérieux. L'absurde du monde. L'absurde du monde. Bien, on n'en est pas à un malentendu près. Et j'ai constaté ensuite sur à propos de moi-même et de des livres et des pièces que j'ai pu écrire par la suite que toutes les critiques étaient des malentendus. Il suffit de lire 5 ou 6 articles de critique sur un même livre
pour voir à quel point c'est contradictoire. Mais on a essayé quelquefois d'établir des critères. Je connaissais autrefois un vieux professeur qui essayait de mesurer si une œuvre avait plus de talent que de dextérité, plus de génie que de talent, plus de dextérité que de génie, etc. Mais la balance marchait mal. Je sais que maintenant, il y a un nouvel effort dans la nouvelle critique, chez les linguistes, par exemple, chez les structuralistes, un nouvel effort pour essayer d'établir des critères précis. Et je crois que cette nouvelle tentative est vouée à l'échec. Comme disait un ami que j'aimais beaucoup et qui est devenu mon ennemi par la suite et qui est mort, Arthur Adamov, disait « Le succès d'un livre ne prouve rien. L'insuccès d'un livre ne prouve rien non plus. Personne ne comprend personne, et peut-être le meilleur des mondes serait celui où personne ne connaîtrait personne. Mais je crois qu'il exagérait, parce que on ne peut pas se passer des autres, évidemment. Vous le pensez vraiment, Ionesco, qu'on ne peut pas se passer des autres? Je pense vraiment qu'on ne peut pas se passer des autres. Et on peut se passer des autres quand on est avec eux, quand on est ensemble, quand on est dans la foule, quand on fait partie de la foule. À ce moment-là, la foule est absolument inadmissible. Quand je vois des gens défiler, et cela m'arrive souvent depuis quelque temps, criant des slogans qui me rappellent ceux de 1934, 35, 34, quand je vois des foules tantôt de gauche, tantôt fascistes, tantôt nazis, tantôt catholiques, cela m'écœure et j'ai envie de me retirer. Cela vous rappelle les foules d'Hitler ? Cela me rappelle les foules d'Hitler. Alors j'ai envie de me retirer et je me retire. Et c'est à ce moment-là que je suis le plus intimement avec les autres. C'est-à-dire que ce dont on souffre en ce moment, comme il me semble l'avoir déjà dit récemment, peut-être, parce qu'on m'a interrogé ces temps-ci à la radio et à la télévision, ce qui me semble le plus terrible, c'est que ce n'est pas de solitude que souffre l'homme moderne, mais c'est de manque de solitude. D'être trop entouré. D'être trop entouré. Trop agressé, peut-être. Trop agressé, non pas trop entouré. Et c'est dans la solitude qu'il y a la possibilité du recueillement. Nous vivons sur le néant, et je me demande comment il est possible de construire sur du néant. Nous ne savons absolument rien. Je disais encore dernièrement qu'il nous est impossible de concevoir un univers fini, qu'il nous est impossible de concevoir un univers infini, qu'il nous est absolument impossible de concevoir un univers ni fini ni infini, et que fini et infini, ni fini ni infini, ce ne sont que des mots. Donc, je refuse de penser, étant donné que je n'en ai pas la possibilité, et toutes les philosophies me semblent ridicules. Je n'y ai pas pensé, c'est sur le nom, mais ce que je constate, c'est qu'on fait des choses, c'est qu'on parle, c'est qu'on est vêtu, c'est qu'on construit des engins, et je ne comprends pas comment cela est possible. C'est-à-dire, ce que je ne peux pas supporter, c'est l'ignorance. Et c'est ce qui me semble encore le plus insupportable. C'est l'ignorance plus complexe des savants. Nous ne savons rien et je ne peux pas me résigner à cela. Je suis en face du mur. Vous voulez être ignorant ou vous voulez combattre l'ignorance ? Je suis voué à l'ignorance.
on ne peut pas connaître, on ne peut rien savoir. Il faut accepter de vivre sans savoir, c'est-à-dire sans la connaissance fondamentale, qui ne peut être que métaphysique, qui ne peut être qu'existentielle, c'est-à-dire quel est le statut de l'homme, d'où vient l'univers, pourquoi y a-t-il quelque chose, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, qu'est-ce que cela veut dire de tout ce qui m'entoure. Et je suis plongé dans la stupéfaction. On me dira peut-être qu'il faut en sortir. Mais il y a des gens qui ont fait carrière en se plaignant, carrière entre guillemets encore une fois, en se plaignant de leur ignorance et en ne se consolant pas d'être ignorant et de ne pas savoir. Eh bien, j'en citerai quelques-uns, n'est-ce pas? Il y a Kafka. Il y a Kierkegaard qui a écrit toute une littérature pour cela. Il y a de nos jours Beckett. Je pense que un homme conscient de son destin, ayant même une supériorité vis-à-vis des autres, ne peut pas se résigner à ne rien savoir, et pourtant il est destiné à ne rien savoir. Eugène Ionesco, la plupart du temps on aborde les problèmes politiques en termes, les problèmes du monde en termes politiques, en termes sociaux, et vous vous posez la véritable question et vous dites très cruellement d'ailleurs, que foutons-nous sur cette terre? Alors justement, que faisons-nous ici? Nous discutons de toutes ces choses à la radio. Et puis, nous faisons de ce qui est non littéraire, non artistique, non pensable, de la pensée, de la littérature, de l'art. C'est-à-dire que finalement, nous sommes les victimes d'une technique, d'une facilité, et que au lieu de nous taire, et de nous interroger sans l'espoir d'une réponse, nous parlons, nous parlons, nous parlons, nous faisons de la littérature, et la littérature, ça devient des romans, des romans qui ne se vendent pas ou qui se vendent. On est attaqué ou on est loué par les critiques. On a des contrats. Et nous vivons en grande partie, et c'est ça le piège, même ceux qui se posent des problèmes insolubles et ceux qui disent qu'il n'y a pas de réponse possible à quoi que ce soit, et qu'il ne faut se résigner à rien, et bien tout le monde, même ceux qui ne veulent pas se résigner, se résigne à la littérature et au commerce. Faire des livres, c'est faire du commerce. Eugène Ionesco, vous avez l'impression de tout refuser de cette vie, mais je me demande si vous avez conscience de l'importance que vous avez. Lorsqu'on parle de théâtre, on parle de ses auteurs, et lorsqu'on parle des auteurs, on parle en ce moment de Shakespeare, d'Eschyle, de Beckett, et on parle d'Ionesco. Bon, cette importance, est-ce que vous la connaissez? C'est déjà un problème de connaissance. C'est quand même un problème secondaire, parce que... C'est votre vie. Comme je le disais tout à l'heure, le succès ne prouve rien, l'insuccès ne prouve rien, parler ne veut rien dire, se taire ne veut rien dire non plus, encore davantage. Mais, il m'arrive d'avoir des satisfactions de vanité que je confesse humblement. Et il m'arrive d'être souvent content de voir mon nom imprimé et mon œuvre discutée. C'est une faiblesse humaine que je réprouve. Mais je sais à quel point cela est peu important. C'est-à-dire que je suis arrivé à un moment très pénible, où je méprise le succès et où cependant le succès m'est devenu indispensable. C'est comme quelqu'un qui dirait
L'alcool est mauvais pour la santé, mais je ne peux plus m'empêcher d'en boire. Le succès est devenu une drogue pour vous. Le succès est devenu une drogue. Le succès est devenu une fuite, comme le sport est une fuite, comme la politique est une fuite. Tout à l'heure, vous disiez que... Enfin, on faisait l'honneur de me comparer à quelques grands auteurs. Mais vous le savez, d'ailleurs. Oui, je le sais, mais vous savez qu'on disait aussi de Bataille, de Henri Bataille, qu'il était le Racine du XXe siècle. On considérait que Porto-Riche était un très grand penseur apprécié par les philosophes de son temps. Cela ne veut rien dire, parce que les contemporains ont certainement tort, et la postérité aussi. Eugène Ionesco, il y a ce livre, Le Solitaire. Bon, l'histoire, c'est celle d'un homme de 35 ans, un modeste employé, qui recueille un jour l'héritage d'un oncle d'Amérique. Il décide alors de prendre sans tarder sa retraite. Alors on peut se demander si ce solitaire, c'est bien vous. Et si la retraite doit être prise à 35 ans, que faut-il faire de sa vie après 35 ans? À partir de 35 ans, on ne peut plus faire que de la littérature. Et la retraite, ça a été cela, parce que j'ai commencé à faire vraiment de la production littéraire à partir de cet âge-là. Le personnage dont je parle dans ce livre, le solitaire... Le solitaire, ce n'est pas moi, parce que je suis entouré par beaucoup de monde. Oui, mais on peut être... par beaucoup d'ennemis, par beaucoup d'amis. Solitaire et très entouré. Je ne suis pas raté comme ce personnage, parce que apparemment je fais partie de plusieurs académies. Dont l'Académie française. Dont l'Académie française, et surtout le Collège de pataphysique, parce que je suis décoré, et parce que, etc., etc. Donc je vis de mes livres. Apparemment, je ne suis pas ce solitaire, malheureux, médiocre, qui se méprise lui-même et qui est méprisé par les autres. Bon, je ne suis pas seul solitaire là. Peut-être apparemment, vous avoir ses défauts. Mais dans le fond, il est ce que j'aurais pu être, ce que j'avais peur d'être, ce que je n'ai pas voulu être, et en même temps celui que j'aurais voulu être. Il y a de la contradiction dans tout cela, bien sûr, parce que si j'avais eu vraiment le courage d'une ascèse, cela se serait passé dans l'obscurité et dans le silence. Et d'ailleurs, à la fin du livre, ce personnage qui ne fait que s'interroger et qui n'oublie jamais de s'interroger, c'est-à-dire qui se pose toujours la question essentielle, ce personnage a une issue, une sorte de réussite intérieure que j'aurais voulu avoir. Que vous aurez, que vous cherchez? Que je n'ose plus espérer. Mais vous cherchez? Bon, on cherche toujours, consciemment ou non. Mais je disais tout à l'heure que j'ai fait de ce qui est... La littérature, c'est la médiocrité. C'est la médiocrité, et c'est en même temps, parce que toutes les choses sont contradictoires. On peut dire deux choses tout à fait opposées et qui soient vraies en même temps d'une chose. C'est-à-dire, voilà, la littérature aussi est une ascèse. La littérature aussi est une technique importante de salut, ou plutôt de détachement. Nous avons nos entrailles, nous déballons nos entrailles, nous en faisons de la marchandise et nous croyons que nous allons créer des choses importantes ou très intimes au monde.
Eh bien, les critiques n'en veulent pas, ils jugent en littéraire, ils jugent au nom des critères littéraires qui d'ailleurs n'existent pas, mais en fait ils ont d'une part tort et ils ont d'autre part raison. Parce que toute cette angoisse, tous ces cris, toutes ces plaintes, tous ces gémissements, toutes ces obsessions, finalement ne sont plus que les matériaux de quelque chose, d'une construction. Et cela devient une construction qui se détache de vous, qui s'objective. Et alors, on a à la fois tort à la juger objectivement, et objectivement, ou enfin comme si c'était un objet, et en même temps, on a raison. Vous avez besoin de cette angoisse, Eugène Ionesco. Hélas, c'est devenu ma marchandise. Vous dites parfois « je philosophe trop ». Et vous ajoutez même « si j'avais été moins philosophe, j'aurais vécu plus heureux ». Oui, écoutez, je dis ça dans le livre. C'est-à-dire, c'est pas moi qui parle. Oui, on se retrouve, c'est le personnage. Dans le personnage, d'ailleurs. Lorsque vous expliquez le personnage en disant « il n'est pas moi parce que », mais il est quand même vous parce que. Oui, eh bien, c'est cela. Il n'est pas moi, il est moi, ce personnage. Je philosophe trop, oui, en effet, et je philosophe davantage, je philosophe comme je peux. Mon genre, ma façon de philosopher est méprisée et considérée naïve par les critiques littéraires, par les littérateurs. Et c'est curieux, et considérée beaucoup plus intéressante, beaucoup plus importante par les vrais philosophes. Votre narrateur dans ce livre, Le Solitaire... Alors, je philosophe trop. Oui, je philosophe trop. Et les philosophes ne philosophent pas assez. C'est-à-dire, quand je dis les philosophes, je parle des spécialistes et des techniciens de la philosophie. Eugène Ionesco, je disais que dans ce livre, Le Solitaire, votre narrateur change beaucoup... change de logement, et parfois, lorsqu'il part, il emporte ses livres. Et alors là, il y a un choix de livres. Il y a Les Misérables de Victor Hugo, il y a Les Trois Mousquetaires de Dumas, et puis il y a également 20 ans après, et Le Vicomte de Bragelonne. C'est un choix, bon, c'est un choix du narrateur, mais j'imagine que Ionesco a choisi lui aussi. C'était pour montrer que ce personnage n'est pas du tout un intellectuel. Et qu'il ne peut lire que Alexandre Dumas père, qui est d'ailleurs un très très grand écrivain. Parce que si j'ai appris l'histoire de France, et si je connais bien le XVIIe siècle, c'est bien Alexandre Dumas qui m'a donné le départ, quand il m'est arrivé par la suite de lire les mémoires du cardinal de Retz. Et quand il raconte comment il s'évade du château de Vincennes, je crois, et qu'il trouve en bas deux gardiens, et qu'il sort son épée et les tue tous les deux, je me suis dit, mais c'est du D'Artagnan. D'autre part, Dumas est très bon dans Le Comte de Monte Cristo. C'est un roman fiction absolument sensationnel, et c'est aussi un roman social très important. Lorsque le comte de Monte Cristo vient à Paris au début du XIXe siècle, il y a là une description de la société de ce temps-là qui vaut les descriptions de Stendhal, du rouge et le noir. La description du carnaval à Rome aussi est une des choses les plus extraordinaires qu'on ait pu voir en littérature. Mais enfin, j'ai mis Alexandre Dumas père, les Trois Mousquetaires, le vicomte des Bragelonne, pour montrer que ce personnage n'était pas ce que l'on considère un intellectuel. Autrement, j'aurais dit, eh bien, il s'enferme avec la critique de la raison pure. Avec le dernier Pierre Roland Barthes. Avec le dernier. Roland Barthes. Roland comment? Barthes, non?
Ah non, je connais un Karl Barth, qui est un théologien protestant très important. Et Roland Barthes, je ne le connais pas. Vous avez fait vos choix dans la vie, une fois pour toutes, à l'UNESCO. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait franc lorsque vous dites « Depuis ma naissance, je n'ai rien appris et je sais que je n'apprendrai rien. » Car c'est complètement négatif et ça n'est pas du tout vous. Ce n'est plus l'interrogation. Oui, ce n'est plus une interrogation, oui. Oui, en effet, là, vous m'avez pris au piège. En effet, je dis, je n'ai rien appris, je sais que je n'apprendrai plus rien. Cela veut donc dire que, en apparence, je ne me pose pas d'interrogation. Mais en réalité, si, c'est une interrogation, c'est un espoir désespéré, c'est une interrogation désespérée que je continue à me poser, et quand je me dis ne pensons plus, nous n'avons aucune possibilité de penser, à quoi bon penser, ne pensons plus, je continue de philosopher naïvement, comme disent mes critiques. Et d'ailleurs dans ce livre il y a à la fin tout de même un espoir, oui, si on peut appeler ça un espoir. Il y a une vision que j'ai vue en rêve et que j'ai mise aussi sur scène dans une de mes pièces, dans La soif et la faim. Il y a bien l'échelle de Jacob, il y a bien une vision édénique, mais je ne dis pas que c'est cela, et je ne dis pas que c'est la vérité, et je ne dis pas que c'est le salut. C'est au lecteur de donner la réponse. Il s'agit là peut-être tout simplement des hallucinations d'un alcoolique. Jeanne Ionesco, vous êtes désespéré et vous profitez pleinement de la vie. C'est encore une des contradictions de la société. Et oui. Une de nos contradictions à tous. Oui. Vous savez, j'ai un ami qui est un des plus grands essayistes contemporains, qui s'appelle Émile Cioran, qui a écrit le précis de décomposition, et qui était à tel point pessimiste que lorsqu'il donnait les raisons de son pessimisme à des amis, il leur arrivait souvent à ses amis de faire des tentatives de suicide. Il y avait particulièrement quelqu'un qui habitait tout près de, sur le même palier que lui, dans un petit hôtel d'étudiants. Et quand on est venu frapper à sa porte, à la porte du philosophe désespéré, pour lui dire « Un tel a voulu se suicider après la conversation qu'il a eue avec toi », on a trouvé ce philosophe désespéré en train de manger du chocolat, et cela ne veut pas dire du tout qu'il n'était pas sincère, mais nous vivons sur plusieurs niveaux de conscience, et autrement je serais mort depuis longtemps, sinon je dois avouer que dernièrement, j'ai l'impression, enfin depuis quelques mois, que quelque chose se passe et que ça éclate. Mais là, c'est une confession publique. Ça éclate, quoi? C'est la vie qui éclate ou c'est la mort qui s'approche? La contradiction. Les contradictions éclatent. Et la vie éclate aussi, bien sûr. Et quand ça éclate, eh bien, on sait quel est le noyau qui surgit. Cette mort dont vous parlez tellement, Eugène Ionesco, vous la recherchez, vous l'attendez? Eh bien, j'ai l'impression que je la fuis. Mais les médecins me disent que je la cherche. Oui, la vérité, ça je ne sais pas, sans doute que je la cherche et que je la fuis en même temps. Mais j'ai des raisons qui me font vivre encore, et je suis encore attaché à la vie parce que il y a l'amour et il y a deux personnes que j'aime par-dessus tout, c'est ma femme et ma fille. C'est déjà un beau cadeau que vous a fait la vie, cette vie que,
qui vous permet de vous interroger. Oui, c'est un beau cadeau et je crois que la seule chose qui puisse nous faire vivre, c'est ça. Les c'est, autres. C'est les autres et c'est l'amour que l'on peut avoir pour les autres. Mais enfin, ne continuons pas pour, sur ce temps-là parce que je deviendrai trop sentimental, voire humaniste. Jeanne Ionesco, tous vos souvenirs, je le sais, sont des souvenirs d'enfance et sont des souvenirs français. Mais on peut se demander pourquoi vous n'avez pas écrit en roumain. Si, j'ai écrit en roumain. Ah. Justement, c'est quelques articles de critiques littéraires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais pas d'œuvres, pas de théâtre, pas de... Non, pas de théâtre. Pas de théâtre, mais un recueil de critiques et une brochure, un livre très mince de poèmes, très mauvais, inspiré d'auteurs divers et contradictoires tels que Francis Jammes, Maeterlinck, Mallarmé. Qu'est-ce que... Ils n'avaient rien à voir les uns avec les autres, tous ces auteurs, mais enfin, j'avais 17 ans. Et c'est après que j'ai abordé la critique, que j'ai fait ce livre de critique littéraire, qui m'a amené à la conclusion qu'il était inutile d'écrire. Et vous continuez pourtant. Et je continue pourtant. Voilà encore une contradiction. Voilà encore une contradiction. J'ai dit qu'il était inutile d'écrire parce que, concluais-je dans ce livre... Ou bien Dieu existe, et alors nous avons des choses beaucoup plus importantes à faire que de la littérature. Ou bien Dieu n'existe pas, et il est encore inutile de faire de la littérature. De toute manière, je crois qu'il est bon que les hommes se contredisent. Parce qu'autrement, s'ils étaient différents, c'est qu'ils auraient un numéro bien au point et qu'ils tricheraient. Ah oui, nous sommes pleins de contradictions. Et ce que... Je dis maintenant, devant tant de gens qui nous écoutent et qui s'énervent peut-être de mes propos, je leur dis ce que je viens de vous dire, c'est le contraire de la vérité que je vous dirai demain. D'ailleurs, le matin il fait beau, le soir il fait très mauvais, puis le ciel peut être bleu et le ciel peut être gris. C'est encore une contradiction, mais elle est de la nature, celle-là. Oui. Jeanne Ionesco, il faut toujours en revenir lorsqu'on parle aux hommes et lorsqu'on parle des hommes à leur enfance, car lorsque on voit votre entrée dans Paris, jeune, on s'aperçoit que vous intéressez surtout aux guignols du Luxembourg, c'est déjà le monde des clowns. Oui, je me souviens très bien du guignol du Luxembourg, de ce monde de clowns, mais c'était... Ma mère m'a dit plus tard que j'avais l'air très triste, que tous les autres enfants riaient et que moi j'étais là triste à regarder. Mais je crois que je n'étais pas triste, j'étais tellement intéressé, tellement ébloui que je ne pouvais ni rire ni pleurer. Vous avez toujours peur de la nuit ? C'était... Non. Vous avez eu peur à un certain moment ? Oh oui, j'ai eu peur de la nuit pendant très longtemps. Maintenant, la nuit m'agace. Je suis un tempérament solaire. C'est embêtant de ne pas pouvoir de ne pas voir parler d'autre chose que de soi-même. Vous voyez, c'est ça le malheur de l'écrivain. Oui, mais toute votre œuvre est pleine de vous-même. Théâtre. Et les œuvres des écrivains des sont... Autres Oui, mais avouez, les œuvres, les écrivains se racontent. Mais la vie tourne autour de soi-même. On est chacun le pivot de quelque chose. Oui, nous sommes chacun le centre du monde. Mais à quel moment avez-vous, vous, Ionesco, buté sur l'absurdité du langage ? Parce que ça, ce n'est plus tout à fait vous, c'est les autres. Quand on parle de mon théâtre qui serait absurde, de l'absurdité du langage, je ne comprends pas très bien ce que cela veut dire. Nous avons créé quelques-uns en France, à l'école de Paris, comme on l'appelait dans les années 50, nous avons créé
quelque chose. On a fait une sorte de théâtre qui ne ressemblait pas à ce qui avait été fait jusque-là. Et on ne savait pas comment, quel nom donner à ce genre de théâtre. Et un critique anglais a dit c'est le théâtre de l'absurde. Absurde était le mot à la mode. C'était l'époque de l'absurde sartrien, camusien, Bataille, etc. On parlait beaucoup de ça. Mais je crois que j'aurais écrit de la même façon en 1935 et on aurait appelé cela le théâtre de l'authenticité parce que c'était le mot à la mode. Tout est une question de mode. Tout est une question d'étiquette, on verra après. Mais je ne crois pas que le monde... Je me demande si le monde est vraiment absurde. Je ne crois pas qu'il le soit. Je crois que nous ne le comprenons pas. Je crois que nous sommes ignorants. Que nous sommes voués à l'être. Que nous n'acceptons pas cette ignorance. Mais vous ne donnez aucune chance à l'homme, d'ailleurs. Et c'est le péché initial. D'ailleurs, nous voudrions être... On n'accepte pas d'être un grain de sable et... On n'accepte pas d'être un enfant qui regarde le soleil et qui se laisse faire. Le plus grand péché, diraient les théologiens, le plus grand malheur, la plus grande faute, diraient les moralistes ou les sages, c'est cela, de ne pas faire confiance. Alors, si on faisait confiance, on pourrait vivre plus tranquillement et s'occuper des choses de ce monde. On ne sait pas. Peut-être, après tout, avons-nous une mission, peut-être. Avons-nous un emploi, j'allais dire un rôle. Mais ça fait trop comédien. Tout à l'heure, Ionesco, vous disiez que c'était tout à fait par hasard que vous aviez écrit La cantatrice chauve. Mais est-ce que c'est tout à fait par hasard que vous êtes devenu Ionesco? Je ne le pense pas. Vous l'avez voulu. Vous l'avez souhaité. Et vous avez travaillé pour cela. Évidemment. Évidemment. Comme pour beaucoup d'autres auteurs, et bien plus grands que moi... on écrit parce que on n'est pas immortel. Et c'est la raison pour laquelle Marcel Proust a écrit. Parce qu'il savait qu'il n'était pas immortel. Et alors nous mendions cette sorte de survivance provisoire, précaire. Nous la mendions et nous écrivons pour cela. Et en même temps, cela nous fait vivre aussi... jour après jour, cela donne une règle de vie. Est-ce que vous pouvez écrire encore aujourd'hui ce que vous écriviez il n'y a pas si longtemps, le besoin de religion est le besoin le plus profond des hommes. Et on en revient à ce que nous disions tout à l'heure. C'est peut-être parce que vous n'avez pas cette religion que vous en avez le besoin. Je le pense. Je le pense profondément. Je le pense profondément et si le monde est en désordre, je ne suis pas le premier à le dire, et si tous les gens sont désespérés, toute littérature depuis un siècle et demi ne fait que rabâcher le désespoir, l'inconfort, l'absurdité de notre condition, on ne parle que de cela, c'est parce que l'homme a besoin de religion et parce qu'il n'en a pas. Alors il cherche des révolutions. Qu'est-ce que c'est ? Il cherche des religions. Il se cherche des religions. Qu'est-ce que c'est que le marxisme, sinon une religion ? Et une religion chrétienne et judaïque qui ressemble, elle ressemble parfaitement à notre religion officielle. Qu'est-ce que c'est que l'idée du progrès social, sinon le mythe ascensionnel? Qu'est-ce que c'est que la société parfaite, sinon la nostalgie du paradis perdu? Qu'est-ce que c'est que le dépassement de l'histoire,
sinon le désir d'éternité? Évidemment, contrairement à ce que l'on pense actuellement, les mythes sont plus profonds, ils sont plus vrais que les idéologies. Et les idéologies sont plus vaseuses, parce que plus philosophiques, entre guillemets. Mais dans les idéologies, on peut retrouver les archétypes, les thèmes profonds, profondément religieux, de nos besoins essentiels. Jeanne Ionesco, tout à l'heure nous parlions de patriotisme, et vous disiez que vous n'aimiez pas tellement ce mot, mais je sais que vous vous sentez vexé lorsque les Français dénigrent leur pays. Vous, oui, mais là, c'est d'origine roumaine. Oui, mais ça, c'est une affaire tout à fait personnelle, n'est-ce pas? Oui, mais c'est ce qui est personnel qui est ça, intéressant. Ça, c'est une affaire tout à fait personnelle. Bon, je suis à moitié roumain, à moitié français, et entre ces deux patries, la Roumanie et la France, j'ai choisi la France. Alors, lorsque je vois les Français détester, mépriser la France, je me sens vexé, je me sens trompé, je me sens cocu, c'est le choix que j'ai fait. Alors, c'est vraiment une chose très désagréable pour moi. Vous êtes très pessimiste, souvent, Ionesco, dans tout ce que vous dites. Par exemple, cette phrase « Je crois que l'immense cruauté nazie, enfin vous parlez de celle d'Hitler, n'était que le signe précurseur de la haine et de la rage de destruction qui gagne toute l'humanité ». Oui. On peut dire cela, et vous pensez peut-être aux dernières manifestations. Je pense aux dernières manifestations, mais il ne s'agit pas de ce qui se passe à Paris ou à Montpellier. N'est-ce pas? Eh bien, il faut voir comment les Juifs et les Arabes se massacrent joyeusement entre eux. Il faut voir comment les Russes ont massacré sous Staline 25 millions d'autres Russes. Comment les nazis ont tué 9 millions de Juifs ou 6 millions. Enfin, on n'est pas à 3 ou 4 millions près. Comment tout le monde était contre les Pakistanais parce qu'ils massacraient les pauvres Bengalis. Et puis après, tout le monde contre les Bengalis, parce qu'ils massacraient eux aussi les pauvres Pakistanais. Moi, je pense que l'homme se déteste, et parce qu'il est mécontent de sa condition, et qu'il veut se détruire dans l'autre, et qu'en réalité, les révolutions ne sont que des prétextes, des alibis idéologiques pour cette volonté de destruction. Maintenant, je prends des gens à l'appui, n'est-ce pas? Je ne suis pas seul à l'avoir dit. Il n'y a pas seulement des polémologues comme Boutoul qui ont dit ces choses-là. Mais il y a eu Einstein, et il y a eu Freud, et il y a eu Jung. Freud, surtout, a parlé de cet instinct de destruction qui était en nous-mêmes, et il se demandait avec angoisse si cet instinct de destruction allait être plus fort que l'instinct d'amour. Alors on peut se poser cette question, Jeanne Ionesco, l'humanité mérite-t-elle de survivre? Et on peut penser qu'elle survivra. Oui. Et vous savez, il y a des mystiques très intéressants comme Jacob Boehme qui pensaient que la création avait échappé à Dieu. Et que l'aventure humaine était une aventure ambiguë, difficile à définir, difficile à juger, bien sûr. Et il y a des philosophes modernes qui pensent que l'aventure humaine a assez duré et qu'il est temps que cela finisse. Je ne suis pas de cet avis, ou je n'ose pas l'être. Il y a une phrase qui me fait peur chez vous, Eugène Ionesco, c'est celle-ci. Je hais mon acharnement à vivre, car le bonheur, c'est la mort. J'ai écrit ça? Vous l'avez écrit. Dans quoi? Dans un article. Ah oui?
Et on dépasse le livre, on dépasse le théâtre cette fois-ci, parce qu'on se reconnaît souvent dans les articles que l'on écrit. Oui, oui. Car vous êtes journaliste aussi. Oui, oui. Eh bien, j'ai dû dire ce que je pensais, ce que je croyais à ce moment-là. Et il est vrai que l'on se contredit. Et il est vrai que l'on se contredit parce que le matin ne ressemble pas au soir. On se contredit, on est poussé par des impulsions diverses, contradictoires. Et si j'ai dit cela, c'est peut-être parce que je pensais le contraire et parce que je préfère la vie, c'est-à-dire la vie éternelle, à la mort et au silence. Ionesco, vous avez toute une œuvre avec vous, je ne dis pas derrière vous, avec vous, une œuvre théâtrale. Il y a maintenant ce premier roman, Le Solitaire. Cette fois-ci, et dans le cadre très précis de ce roman, est-ce que vous êtes content de vous, de l'homme de l'être? Bon, alors ça se place sur un nouveau tout à fait différent. Et je suis bien content que l'on revienne à des choses un peu plus précises, un peu moins fumeuses, un peu moins encombrantes. Oui, je crois que j'aime ce livre. Je crois que j'ai réussi un personnage. Alors là, je parle tout à fait en littérateur. Et je crois que c'est écrit d'une façon simple, claire, dans un style volontairement plat, qui s'éclaire à la fin, où il y a peut-être une transposition dans le langage. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cet entretien, Eugène Ionesco. C'est ce que je pense de votre livre. Je le recommande et je le recommande très sincèrement. Ce livre, c'est Le Solitaire qui paraît au Mercure de France. Merci, Eugène Ionesco.